nous voient. Ça veut dire qu'on est là pour de vrai, de vrai. Yay! Donc, on est en direct pour vrai. Geneviève, Alain, dans le spectacle des sessions de balcon dans le cadre des sentiers, du sentier culturel de la ville de Gatineau. Donc, on va reprendre avec notre chanson qui a été coupée. On reprend tout ça? Oui. Je ne sais pas où elle a coupé, fait qu'on ne peut pas la repartir du moment où elle a coupé, fait qu'on va la refaire au complet. Du début. Êtes-vous d'accord? Vous n'avez pas le choix. Un, deux, trois, quatre. La maison est vide, vide de vie et de sens. L'hiver trop rapide efface les traces de ton absence. Chanson au complet maintenant. On est en live pour vrai, là, ça marche, puis ça arrêtera plus. Yeah! Oh, envoyez donc. Vous pouvez nous envoyer un petit pouce, là, si ça fonctionne. Geneviève va voir ça, elle va être bien contente. Oui, plein de petits pouces. Moi, je vais essayer de vous suivre, si vous voulez nous écrire des petits trucs. on est vraiment contents d'être sortis de chez nous, pour une fois. Comme on disait tantôt, on avait du fun à loader notre auto de stock et à descendre les marches et à forcer comme des fous. On tripait full. Hein? Oui, c'est ça. D'habitude, on ne tripe pas à faire ça, mais là, vu que ça faisait tellement longtemps qu'on avait sorti nos instruments, bien, on avait hâte de loader l'auto, puis de partir, puis de s'en venir sur un semblant de stage. Ben oui, c'est un stage. Un en fait, c'est oui, c'est ça, c'était un balcon, hein, parce qu'on est dans les sessions de balcon. Puis en fait, depuis le début du confinement, on a fait déjà une session live sur Facebook, mais je ne pensais pas en refaire une autre. Fait que je suis vraiment contente parce qu'on a upgradé notre affaire. Au début, on ne pouvait pas tant sortir de chez nous quand on l'a fait pour la première fois. Puis là, vu qu'on avait déjà présenté le spectacle, je me disais, ben on a présenté déjà notre spectacle sur Internet. Fait que l'Internet l'a vu, notre spectacle. Sauf que là, il n'avait pas vu comme ça, le spectacle. Le spectacle chez nous, dans le bois, avec notre Internet.
C'est pas avec l'équipe de vidéo puis de son qu'on a aujourd'hui. En plus, ici, il n'y a pas de bibitte. Non! Ça, c'est ça. Avant de partir, j'étais comme, hey, est-ce qu'il faut que j'amène mon chasse-moustique? Parce qu'on est habitués que nous autres, on sort deux secondes. Ta mouche électrique. Hey, pas loin, mais on n'a même pas eu besoin de la sortir. Fait qu'on On continue ça? On continue. Okay. C'est pour ça qu'on est là. On vous fait une chanson. Par le sentier qu'on empruntait tous les deux, je revois les traces de mon grand-père, revois le bonheur dans ses yeux. Il m'avait fabriqué de ses mains un petit voilier qui flottait dans le lavabo. Il a pris le large au matin, cette fois il a fait le grand saut. De l'Outaouais jusqu'à l'autre bout de la terre, il y a un peu de nous qui traverse les frontières. Le courant nous portera à la mer, on reviendra. Je l'imagine sur mon bateau partir au loin pour le plus grand des voyages, se confond goutte d'eau qui s'évapore jusqu'au nuage. Reste là, c'est l'infini qui le ramène ici, et j'entends le son de sa voix quand les vagues me parlent de lui. De l'Outaouais jusqu'à l'autre bout de la terre, il y a un peu de nous traverse les frontières, le courant nous portera, mais de la rivière à la mer on reviendra, mais de la rivière à la mer on reviendra, le courant nous portera, mais de la rivière. Rivière des Outaouais. Hey, quand on nous a demandé pour venir faire ce spectacle de salon-là, vu que justement on a plusieurs représentations sur les internets, ben on a voulu faire quelque chose d'un peu différent. Donc, évidemment, ben, si vous nous revoyez sur Internet avec un spectacle live, ben, ça ne sera pas le même spectacle. Donc, spécialement pour ce spectacle-ci, on a décidé d'aller fouiller dans nos vieux... dans nos vieilles chansons. Je dis ça, vieilles chansons, mais ça fait un an qu'on a sorti notre nouvel album, notre deuxième album. Ça veut dire que nos vieilles chansons, pour nous, c'est notre premier album qu'on ne joue pas depuis un an. Fait que on n'a pas eu tant besoin que ça de les réapprendre. Mais quand même, ça fait longtemps qu'on les a joués, donc on ramène ça pour l'occasion. Moi, je suis beau, je suis nouveau, j'arrive comme un cadeau. J'ai même pas besoin de berceau, car je ne reste pas. Je fais rêver les enfants et même les grands-parents. Je fais rayonner le présent, mais je ne reste pas longtemps.
Je vois le jour et je m'endors avant la belle aurore. Je vois l'amour comme un trésor, mais je ne reste pas longtemps. Je suis la pluie et le beau temps, je fais les deux en même temps. Je voudrais le faire plus souvent, mais je ne reste pas longtemps. J'arrive sans qu'on me le demande. Je repars sans qu'on s'y attende. Je me présente sans prière. Je suis Je suis le bien, je suis le mal, je suis utile ou banal. Je peux vous remonter le moral, mais je ne reste pas longtemps. Je suis parfois la vérité, je mens de temps en temps. Je voudrais être l'éternité, mais je ne reste pas longtemps. J'arrive sans qu'on me le demande, je repars. Sans qu'on s'y attend, je me présente sans prière, je suis je repars sans qu'on s'y attende. Je me présente sans prière. Je suis l'éphémère. C'est cool. Ça fait longtemps. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait du bien. C'est triste quand même parce que quand on fait un nouvel album, on fait un nouveau spectacle, fait qu'il faut couper des chansons parce qu'on avait déjà un spectacle. Donc, on se dit, ouais, y a des chansons qu'on va garder pour le deuxième spectacle, mais il y a des chansons qu'on ne peut pas garder parce que sinon, ça ferait un spectacle double. Fait que maintenant, cette chanson-là, on ne la fait plus en spectacle. Fait que là, ça fait du bien de la refaire parce que ouais, c'est ça, c'est excitant. C'est puis la prochaine aussi, je pense. Oui, la prochaine, c'est une chanson qui est sur notre premier album aussi. Je l'adore, cette chanson-là, Jen. Pour vrai? Oui, j'ai toujours aimé faire cette tune-là. Beaucoup, beaucoup. Puis en fait, sur le premier album, contrairement au deuxième, vu que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on commençait à faire de la musique ensemble, il y avait beaucoup des chansons de Alain, puis il y avait des chansons de moi qu'on avait faites ensemble sur l'album. Tandis que le deuxième, ben là, on a vraiment composé tout ensemble. Fait que là, c'est drôle parce que justement, il y a des chansons que on redécouvre un peu plus la personnalité distincte de nos deux avant qu'on s'unisse pour dans la composition. Donc, et dans la vie, bien et sûr. Et dans la vie. Parce que c'est ça. Fait que ça, c'est une chanson que j'avais composée avant, pendant qu'on sortait ensemble. Ça s'appelle Peau de papier. La Petite-Vallée. On sortait ensemble. Oui. Mais je n'étais pas avec toi quand je l'ai composée. Non. Non, je l'ai composée à Petite-Vallée, au camp, en chanson de Petite-Vallée. C'est inspirant, cet endroit. Fait que si vous avez la chance, m'emmener quand vous allez pouvoir voyager à nouveau, d'aller faire un petit tour à Petite-Vallée. C'est dommage, le théâtre a brûlé, mais l'énergie est tout aussi inspirant qu'avant. Voici Peau de papier. J'ai une peau de papier, masque de mots sur ma bouche bée, une page qui se lit, ligne de plomb, trait de poésie. Moi, je trace mon humeur, couvre mon visage de couleurs. Le crayon noir va sur mon front, il me griffonne la raison. Je suis une peau de papier, je fabrique des je suis un cahier à colorier, je ne peux pas tourner la page.
j'ai découpé pour voir mes yeux qui jouent à vous faire croire qu'en superposant mes dessins, je ne pourrai pas écrire la fin. Je suis une peau de papier, je fabrique des images, je suis un cahier. Écrire des lettres, mes chansons, mais je n'ai qu'une seule page où s'entasse mon brouillon. Je suis une peau de papier, je fabrique des images, je suis un cahier à pas tourner la page. Ce qui est le fun, c'est que on est dans un endroit public en ce moment, puis on n'a pas révélé l'endroit où on est parce que en principe, on peut pas vraiment vous inviter à venir dans cet endroit parce qu'on n'a pas le droit de se rassembler ici. Sauf qu'il y a une piste cyclable qui passe juste en avant, fait qu'il y a des gens qui passent, il y a des oies. Des bébés oies. Des bébés oies. Il y a plein de bébés oies. J'en ai compté 25 tantôt, bébés oies. 25 bébés oies. Il y a des chars aussi qui... Puis même ma mère, je n'ai pas dit c'était où. Puis là, on a fait un story juste avant de commencer sur notre Instagram. Puis elle nous a trouvé. Allô, maman! D'ailleurs, vous pouvez nous suivre dans la vie de tous les jours sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez écrire des messages. Geneviève va lire vos messages. Vous pouvez envoyer des petits pouces, des petits cœurs, plein d'emojis. Et si jamais vous surtout voulez écrire... Surtout des emojis. Surtout des emojis. Vous pouvez écrire aussi. Mais si vous voulez écrire, on va vous lire, c'est certain, par la suite, puis on va vous répondre. Et n'hésitez pas à partager ce vidéo-là et à liker notre page. Et en espérant qu'on se revoit physiquement un jour. Non, mais là, je suis en train de lire du monde qui disent qu'ils ont vu des gens passer à vélo. Puis si vous devinez, ils demandent, est-ce que ça veut dire que si je devine où vous êtes, je peux aller vous voir? Non. Un petit peu. Sur Internet, parce que le temps que vous allez arriver, vous allez tout manquer. Fait que restez chez vous, parce qu'on va respecter le confinement quand même. Mais ouais, il y a de la place, là. Si jamais vous passez à vélo, les 2 mètres seraient très respectés. Fait que, la police, Geneviève et Alain, va si jamais vous regardez ça. Notre live en faisant du vélo en ce moment. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée non plus. Non plus, non. Et on vous a dit tantôt qu'on faisait des vieilles chansons de Geneviève et moi. Et là, je vais en faire une qui est très, très vieille. Une chanson que j'ai composée en 2019. Non, pas en 2019. Ça serait pas vieux pantoute. En 2009, mesdames et messieurs, une chanson qui s'appelle « Chemin Freeman ». C'est une chanson qui part de la rue où je suis né, où j'ai grandi. Et si on traduit le chemin Freeman, ça donne le chemin de l'homme libre. Et je pense qu'avec le temps, c'est ce que je suis devenu, ou en tout cas, c'est ce que j'essaie de devenir, un homme libre. Et cette chanson-là, avec le temps, ce qui est spécial, c'est que plus le temps passe, plus cette chanson-là veut dire quelque chose pour moi. Donc, Chemin Freeman. Thank you.
chemin Freeman. Je vois mes souvenirs d'enfance. Ça me fait drôle quand j'y pense. De l'innocence, j'avais la chance. Je suis certain qu'on va se recroiser. Quand j'aurai pu où j'en suis, où je vais, je reviendrai chemin Freeman. When I'll be home, I'll come back home. Retrieve my life on the Freeman Chemin Freeman. Le soleil fait place à la lune. Ça fait longtemps, je lui en dois une. Je me souvenir de toi sur le chemin Freeman. Quand j'aurais pu où j'en suis. Je reviendrai chemin Freeman. When I'll be home, I'll come back home to retrieve my life on the Freeman. J'ai pas chanté, c'est correct? Ben oui, c'est correct. D'habitude, des fois, je fais des harmonies là-dedans, mais là, ça me tentait d'être ta spectatrice. Non, ben merci. T'es bien fine. C'est la première fois que tu te pètes les lunettes sur le micro? Ah, oh, c'est-tu arrivé? J'ai vu. Ah, peut-être. Ça expliquerait peut-être l'erreur que j'ai faite à la guitare. C'est arrivé en même temps, c'est drôle. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est sûr que c'est ça. C'est la première fois? Sacrée lunette. Moi, c'est, ben, c'est les dents, des fois. Ça arrive. Ah, oh, ça fait mal, ça. Ouais, c'est ça. Et t'essayes de faire ça subtil, là, mais des fois, en plein milieu d'une chanson super émotive et triste, un beau tac! Mais ça va. Les dents vont bien aujourd'hui. J'ai même pas senti. Non? J'ai entendu l'erreur. L'erreur de lunettes? L'erreur de guide. De lunettes. De lunettes. Et si on continue sur le chemin Freeman et qu'on descend, qu'on descend le chemin Freeman et qu'on tourne à droite sur le boulevard Saint-Joseph, où est-ce qu'il y a tous les concessionnaires d'auto, on arrive à un rond-point. Et si on continue sur la rue qui est là, sur le deuxième rond-point, on arrive près du pont Noir. Et sur le pont Noir, on allait jouer là, mes amis et moi, quand on était jeunes. Et j'ai composé une chanson sur le pont Noir, moi qui compose pratiquement une chanson par album sur la ville de Gatineau. Donc, c'était mon coup sur notre premier aussi. Album, toi aussi. Ouais. Donc, le pont Noir. Du haut du pont noir, entre Hull et Gatineau, un homme lance une pierre à la rivière. Il décroche
de son rôle, lâche le poids de ses épaules. Du haut du pont noir, entre les Gatineaux. Du haut du pont noir, entre ici et là-bas. Est-ce que vous entendez bien de là-bas? Oui, hein, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous autres... Si vous venez voir le spectacle... Oui, c'est ça. Nous autres, on entend, on a comme des moniteurs pour qu'on s'entende sur scène. Mais là, comme ce n'est pas prévu pour que ça soit présenté devant un vrai public en personne, bien, il n'y a pas de speaker pour les tantôt, gens. Tantôt, il y avait un monsieur assis très loin là-bas qui nous, avec les canards. Qui nous criait avec les canards. Qui nous criait « On vous entend pas! On, je vous entends pas! » Puis là, on lui a dit « Regardez sur votre selle, monsieur! » Tu sais, on est rendu là. On est rendu là. Il est là, puis il faut qu'il regarde son selle. Bon. Il y a quelque chose que tout le monde dit quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans la vie. C'est des questions. C'est quoi? Première question, comment tu t'appelles? Ouh! C'est facile à répondre, c'est le fun. Deuxième question, presque toujours, c'est d'où tu viens. Puis ça, c'est pas
c'est un petit peu plus difficile à répondre. Ça dépend pour qui. Pour moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté à répondre à cette question-là. Je sais pas ce que ça veut dire, d'où tu viens. C'est-tu la place où tu habites ou où tu es né, l'hôpital ou la maison? Puis si tes parents sont séparés, mettons. Fait que j'ai pas de réponse, à part une chanson. T'es prêt? Ouais. Un, deux, trois, quatre... Tu me demanderais d'où je viens. Je te dirais qu'est-ce que tu veux dire. Je vais prendre mon temps si ça te fait rien. C'est une question à réfléchir. Quelque part entre ma mère et mon père. Comment savoir d'où je viens vraiment? Tu me demanderais où je vis. Je saurais pas plus quoi te répondre. Je repenserais juste à mes valises qui se promènent entre deux mondes. Quelque part entre ici et ailleurs. Comment savoir où je vis vraiment? Tu me demanderais où j'ai grandi. Je dirais, ça dépendait des mois. Quand j'étais jeune, j'ai pas choisi. J'avais deux maisons à la fois. Quelque part entre Québec et Moonbeam. Comment savoir d'où je suis vraiment? Savoir où je m'enfuis, maintenant que c'est moi qui décide. Je dirais que même si je suis partie, je sais pas plus où je réside. Quelque part entre hier et demain. Comment savoir où je suis? Quelque part entre Québec et Moonbeam. Quelque part entre Ottawa et Gatineau. Quelque part entre le Québec et l'Ontario. Comment savoir qui je suis vraiment? C'est pas. Êtes-vous toujours là? Yes. Ah, il y a des petits commentaires que j'ai pas vus. Bon, tout le monde essaie de deviner on est où. C'est drôle. Il n'y a pas trop d'indices, hein? Bah, ça, si on parle de vélo, peut-être, piste cyclable. Il y a de l'eau derrière nous. D'ailleurs, dans la dernière chanson, il y a eu un wheelie pendant qu'on chantait. Ouais, si vous passez à vélo, faites pas de wheelie. Parce que si vous plantez, c'est sûr qu'on manque notre toune. Ou c'est sûr qu'on vous filme. Aussi. Oh my God, tu te souviens-tu quand on a filmé une vidéo sur le pont noir? Sur le pont noir, pour la chanson Le Pont Noir? Je traînais le piano de Geneviève sur le pont noir, puis un vélo qui est arrivé là, à toute allure, puis il a foncé direct dans le piano. Ben, je pense que tu t'es retourné genre en même temps. Tu l'avais sur l'épaule, genre de même, puis le piano, il est comme lourd et long. Puis genre, tu t'es retourné de bord. Fait que le piano a fait comme... Il a fait le saut. Il a fait le saut. Ouais, il a débarqué. Une chance qu'il n'ait pas tombé du pont. Il n'était pas content? Non. Je pense que c'est filmé. Oui! Ouais. Mais ça n'a jamais été diffusé nulle part. Pour sortir ça des archives. On aimerait bien savoir c'est qui cette personne-là, si elle nous écoute. Désolé. Elle pourrait venir passer encore, qu'on s'excuse. Moi, j'ai eu la chance, comme je disais tantôt, de grandir sur le chemin Freeman. Et à côté de chez nous, il y avait mon grand-père. On avait la même entrée. Et j'avais l'habitude, moi, quand j'étais tout petit, de traverser, quand je pouvais marcher, de traverser et d'aller passer mes journées avec mon grand-père et de fouiller dans ses vinyles. Et il y a un vinyle qui m'a toujours intrigué.
par la musique qu'il y avait dedans, mais surtout par la pochette. Sur la pochette, l'album s'appelle Chelatins and Friends, et sur la pochette, il y a Chelatins assis sur un petit tabouret, comme ça, entouré de petits chiens. Fait que je trouvais cette pochette-là assez drôle. Donc, je mettais ce vinyle-là et j'écoutais ça, sans savoir que plus tard, j'allais faire de la guitare fingerpicking et apprendre tout ça à partir de M. Chelatins. Donc, toi, ce soir, et c'est ça, sur cet album-là, il y a une chanson avec Dolly Parton. Oui. Donc, tu seras Dolly Parton ce soir. Ah! Oh, c'est toi. Et je vais essayer d'être à la hauteur de M. Chelatins. J'aime cette chanson. On va essayer de faire ça. Hmm? On essaye ça. Oh, sometimes I go walking through fields where we walked long ago, and the sweet used to be. And the flowers still grow, but they don't smell as sweet as they did when you picked them for me. And when I think of you and the love we once knew, how I wish we could go back in time. Do you ever think back on old memories like that? Or do I ever cross your mind? How often I long for those two loving arms that once held me so gentle and close. And when I think of you and the love we once knew, how I wish we could go back in time. Back in time. Do you ever think back on old memories like that? Or do I ever cross your mind? When old memories appear, my eyes won't stay clear when I think of those happier times. Do you ever recall on old memories at all? Or do I ever cross your mind? Or do I ever cross your mind? Il y en a un qui a trouvé, je pense qu'il y en a un qui a trouvé l'endroit. Il y en a un. Dernièrement, on a commencé à faire des petits covers sur les internets. On fait des vidéos, on se filme, faire des chansons covers en français et en anglais, dont celle-là. Dans le fond, mm-hmm. ça fait partie des chansons qu'on a partagées sur les internets. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dernières semaines, mais c'est aller chercher quand même un public plus large qu'au Québec. Plus large qu'au Canada. Fait que même ce soir, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il allait veiller tard en Angleterre pour regarder la vidéo. Donc, je ne sais pas s'il regarde en ce moment. Hi, David. On ne sait pas c'est qui. On ne l'a jamais vu, mais on est maintenant amis grâce au web. Donc, ça, c'était la chanson anglophone. C'était la seule chanson anglophone du set. Fait que c'était pour toi, David. It was for you, David. And for you. Fait qu'il y en a d'autres à venir. Suivez ça sur notre page. Là, il y en a d'autres qui vont s'en venir bientôt. Fait qu'on en fait-tu un autre juste pour le fun? Tout aussi bien. Tant qu'à. Qu'est-ce qui te tente? Ah, celle-là. OK. Je te le dis pas. OK. Ah, celle-là, on l'a pas faite encore en vidéo. Ça sent bien. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Cherche dans les faubourgs et les villes
c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Un vélo repart. Mais c'est, ça mérite... c'est le fun parce que quand un vélo arrive, il y a des applaudissements. C'est cool. Alors, on a une surprise. On a une surprise pour Steven. Steven Boivin, qui nous a demandé de venir faire le spectacle. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un spectacle, Steven et moi, ensemble. Ben, c'était le spectacle de Steven. Puis moi, je faisais juste faire des petits bacs en arrière. C'était un spectacle concept de boule noire qui a été présenté pour la Saint-Jean quand même. Quoi? T'es gêné? Qu'est-ce qu'il y a? Il parlait de faire un comeback de ça, c'est sûr. Non? Ah oui? Oui, c'est sûr. Fait que c'était un spectacle hommage à boule noire qui était présenté à la Saint-Jean. En première partie de Daniel Bélanger, d'ailleurs. Quand même. Boule noire avant Daniel Bélanger. C'était cool. Puis je pense que, je suis pas sûre, mais que l'idée de ça venait quand même de peut-être nous. Oui. C'est ça. Il m'avait confié que nous autres, on fait une chanson de boule noire depuis un petit bout de temps. Puis quand il nous avait vu faire cette chanson-là, ben, il s'est dit « moi aussi, je veux chanter du boule noire ». Fait que c'est grâce à ça. Fait que là, ben, dans le fond, c'est le retour aux sources parce que ça fait super longtemps qu'on ne la fait plus. Fait que là, ben, on s'est dit « on ne peut pas la faire pour Steven ce soir, loin de la ville, mesdames et messieurs ». Tu me donnes un peu d'espoir, un peu de ton temps.
Je te donne tout ce que je peux, tu prends tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Est-ce l'air de la ville qui nous dérange? Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison. Loin, loin de la ville. Emmène-moi, je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Quand on fait l'amour, je me sens fou, 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 fou. Quand tu me parles comme ça, je perds la boule, la boule. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Est-ce l'air de la ville qui nous dérange? Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison. Je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi loin, loin de la ville. 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 Emmène-moi. J'aime le soleil, un petit coin tranquille. Ouh, ouh, c'est pas pareil en plein cœur de la ville. Ouh, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te prend? C'est bien l'air de la ville qui nous dérange. Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison. Loin, loin de la ville. Pa-da-pa-pa-pa. C'est toi que j'aime, boubou. Emmène-moi, je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Dans ta maison, loin, loin de la ville. Emmène-moi, 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 loin, loin de la ville. Merci, Steven. Puis sais-tu quoi, Steven, depuis ce temps-là, on s'est demandé si c'était grâce à toi ou peut-être nous, mais Bruno Pelletier, il a sorti un cover de cette chanson-là. Je me suis dit, c'est sûr qu'il a vu Steven chanter. Il s'est dit, hey, faut vraiment faire cette chanson-là. Fait que oui, c'est clair. Consciemment ou inconsciemment, c'est sûr que Bruno Pelletier, c'est à cause. Tu sais, comme c'est une chaîne. Genre, nous autres, t'as influencé ton show. Puis ben. C'est connu, il vient toujours à Saint-Jean, à Gatineau. Ici. Ben oui. Bon. On va se calmer un peu, là. Encore? T'habites dans un sous-sol. Ta vie que tu te bricoles, les cadres que tu fixes sont à l'envers. Tu bois et tu boucanes, tu fais tout pour effacer ta vie entière. Tu as le cœur en panne, et pour que t'as cassé, prennent la poussière.
ne t'en fais pas, ce n'est que moi, c'est moi qui sonne à la porte. C'était notre tout dernier single qu'on a sorti en vidéoclip. Ça fait combien de temps? C'était-tu à la mi-avril? Ça fait un mois à peu près. Oui. Fait que c'est drôle parce que ça faisait longtemps que la sortie de ce vidéoclip-là était prévue. Okay, puis la sortie de la chanson en tant que single. Mais on l'a retardé, évidemment, à cause du début de COVID puis tout ça. Mais on était loin de se douter qu'au moment où on sortirait la chanson, comme on dirait que la chanson, elle a été écrite pour ces moments-là, genre. Fait que c'était comme un petit signe de la vie qu'il fallait qu'on sorte cette chanson-là à ce moment-là. Hein? On a besoin de vous autres à la maison pour claquer des doigts. OK, oui, on a besoin de vous. OK. Êtes-vous capable de claquer des doigts? Soyez pas gênés, même si votre conjoint est en train de préparer à manger à côté. Faites-y honneur. Claquez des doigts. Yeah! Maman, il faudrait que tu claques des doigts, toi aussi. OK. Donnez l'exemple, quand même. Plus fort. Si encore une autre fois, tes yeux posés sur moi, si on prenait le temps comme avant, comme
Et quand on se redécouvre, si on refait l'histoire du départ, dis, sauras-tu où aller? Iras-tu où j'irai? M'offriras-tu encore chaque seconde? Souviens-toi, mon amour. Ça fait 7 ans qu'on est en amour. Oh. Ça fait pas longtemps qu'on a célébré notre duo puis notre couple. C'est quoi? Quoi? Je le savais. Ah ben, je sais que tu le savais. J'espère. Oui, c'est ça. Ça fait 7 ans qu'on... Hey, mais on a fêté ça en confinement. Oui. Puis on a comme officialisé la date en même temps. Genre la date qu'on a commencé à sortir ensemble, c'est à partir de ce moment-là où est-ce qu'on a commencé à faire tous nos spectacles ensemble. Fait que c'est à ce moment-là aussi qu'on célèbre le duo. Fait que c'est vraiment un tout dans notre d'habitude cas. D'habitude, à l'anniversaire de couple, on fait des trucs spéciaux. Puis nous autres, en confinement, on a planté des haricots. Oui, ouais, c'est ça, c'était ça notre activité spéciale. Mais on a eu des poules. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes encore là? Ben, c'est quoi? Ça fait combien de temps qu'on fait un spectacle, Lévi? Sais-tu? Wow! Presque 60 minutes. Puis, on vous avait promis 1 heure. Fait que vous devinez peut-être que ça arrive vers la fin. On est bon pour timer nos setlists quand même. Fait que on va terminer avec cette chanson-là. Après ça, ben c'est fini pour nous. On est vraiment contents d'avoir survécu à cette journée de chaleur. Quand on s'est levé ce matin et qu'on s'est dit « Oh, on s'en va faire un spectacle dehors aujourd'hui. » Ça va être le fun. Mais heureusement, premièrement, il pleuvait pas. Fait que ça, c'est déjà super important. Puis quand on est arrivé, il y avait de l'ombre. Fait que ça, on était contents aussi. Je pense que l'ombre est arrivée juste à temps pour vous aussi, pour quand on a commencé le spectacle. Donc, comme tout le monde, on attend et on a hâte au retour en salle. Il va falloir se dépêcher parce que je pense que le monsieur du stationnement va nous donner une étiquette. Ça se peut-tu? Sérieux? On est correct, on est okay. correct. Mais oui, c'est ça, j'étais en train de dire qu'on a quand même hâte. T'sais, c'est super le fun de faire des sessions live. C'est très différent, c'est une autre énergie complètement. On a quand même hâte de vous voir puis de vous serrer la main. Crime que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça, de serrer la main de quelqu'un de nouveau puis de demander « Comment tu t'appelles? Puis d'où tu viens? » à des nouvelles personnes parce qu'on les voit plus. Fait que on continue à faire ceci, chacun chez soi. Attendre. Puis on le fait bien jusqu'à maintenant. Donc, un gros merci à l'équipe des sessions de balcon. Oui. À la ville de Gatineau. Merci, Lévi. Merci, Alex. Merci, Patrick. C'est ça? Yeah!
Yeah. Puis merci, Steven. Merci beaucoup. C'est fun. Fait que t'as-tu dit merci au Sentier culturel à Ville de Gatineau? J'ai dit Ville de Gatineau. Une chance qu'on est deux. Une chance. Donc, on vous laisse avec une dernière chanson. Merci d'avoir été avec nous. Merci à maman de t'être déplacée. Puis merci à ceux qui sont là. Et c'est ça, il y a des gens qui sont encore là. Avec le chien. J'attends d'être grande, d'avoir des enfants, d'être grand-parent. J'attends que finisse l'école et qu'on la recommence pour encore 10 ans. J'attends le train ou le métro, l'avion ou l'autobus. J'attends papa, maman. J'attends le grand jour de Noël ou mon anniversaire. J'attends le jour de l'an. J'attends que sonne le téléphone, que je puisse raccrocher. Je ne parle pas vraiment. J'attends au bout du fil ou bien j'attends en fil pour payer comptant. J'attends la fin de semaine, là où la vie nous mène, on monte ou on descend. J'attends de trouver en moi les réponses au pourquoi je ne veux plus faire semblant. J'attends, je m'attends parfois au pire, on peut pas voir venir tout ce qui est devant. J'attends de trouver ma place, que mes malheurs s'effacent, tout n'est pas noir sur blanc. J'attends d'être qui je suis, de vivre aujourd'hui. Toujours tout ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qu'on fait de maintenant? On désire toujours tout ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qu'on fait de maintenant? Alain Barbeau, mesdames et messieurs. Geneviève Harvé. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne Merci fin de soirée. Beaucoup. À la prochaine. À bientôt.